Mais c'est vrai que nous en forme. Alors aujourd'hui, là, maintenant, Dichiti, je profite de faire une petite vidéo. Ça fait plusieurs fois nous parler sur ce sujet ça et nous pas suspendre. Il y a un phénomène d'insécurité dans tout pays en Cap-Val-Étéré. Et grandance, jusqu'à présent, ce n'est pas un département côté que niveau insécurité hein, est beaucoup plus grave ou bien très grave. Donc, capable de dire dans ce sens ça, vraiment, et alerte pas en rouge, qui donc son département capable de sortir dans la commune, aller dans leur commune sans problème. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à 1er août, que nous avons gardé là. Je vais attirer l'attention sur la zone ça qui est les Dichiti. Alors, moi-même, à travers deux vidéos, à travers deux émissions que nous avons participé, nous avons toujours montré la nécessité qui gagne pour l'État, avec l'autorité locale, moun qui concerne les gens dans la zone, justement, pour regarder qui est possible pour renforcer la capacité sous-commissariat qui est là, alors, bon, ici, là, c'est un sous-commissariat qui gagne, et qui est possible pour mettre en commissariat, et puis mettre de l'autre moyen de contrôle pour les machines qui peuvent entrer dans la ville, pour les machines qui peuvent sortir. Et dans la zone boïsien, justement, je vais dire c'est boïsien pour passer pour rentrer dans le département de Gadassa. Donc, nous sommes sur route nationale numéro 7 là. L'on sortit au CAI, c'est pratiquement la principale rentrée pour venir en dans le département, c'est souligné là. Nous avons Dichiti qui est bon, très bientôt là, qui est capable de commune de manière officielle. Et lui-même qui a la possibilité là. Pour nous mettre soit en poste de contrôle ou bien pour ta, comme si augmenter la structure que le commissariat a gagné pour leur machine à rentrer, pour leur moto à passer, en dit bus à rentrer chaque jour, machine à rentrer chaque jour, nous ne savons pas qui ça a reporté, et machine à quitter le département tout. Et comme si chaque matin, comme si matin, midi, soir, il a quitté le département, il a rentré dans le département. Mais nous ne savons pas qui ça a fait. Machine à fermer, il est entré, j'en voulais, machine à teinter, il est entré. Comme si, je pense que bon, ici, hein, c'est un point, supposé qu'on point de contrôle. Parce que, Baba nous menti, le, il a couru derrière bandit, il a couru derrière une série de monde qui a des problèmes, un paquet de côté en d'un pays, et bien, les gens ont tendance à le réfugier dans une zone qui est beaucoup plus safe, en côté que vous n'avez pas de contrôle, en côté justement vous êtes capable de sentir à l'aise. Eh bien, nous avons grand dans ce là jusqu'à présent, nous n'avons pas trop de problèmes là-dedans pour nous circuler, même pas quoi que la situation a obligé à arriver dans le niveau un paquet de bonnes zones pour nous, nécessité pour nous mettre là. Même pense que le bonheur, il faut que nous gardions ça possible. Les gens qui sont dans la zone et les gens qui sont très influents dans Dichiti, sont pensés que faut que nous avons une nécessité. Il faut que nous ayons le nécessaire pour au moins nous pas gagner ça comme commissariat, nous pas gagner ça comme poste police dans l'année 2022 dans rentrée en département. Vraiment, ça a son honte lié et son côté comme si même regarder dans le mur, c'est tol, c'est son côté, j'ai l'impression que si cinq personnes, que chacun mon poteau là, ce qui là, la tombe. Vous comprenez? Et pas même pour elle, une capacité comme si là, et dans ce commissariat ça là, pas même pour elle, une capacité. Comme si même pas une capacité pour le kembe, 3 ou bien 4 personnes dans le garde à vue. Vous comprenez que donc même pense que l'aspect sécurité en monde grand, il faut que nous vraiment pensions à ça. Et tout petit tout, nous avons nous embouché avant une équipe volée, avant une équipe bandit, avant une équipe et sans ça l'envahir nous, il faut que nous fassions. Pas tant c'est le bail dégénéré justement pour nous dire bon, si nous faisons ça, si nous disons, si nous disons. Donc même, ça ne travaille pas, je continue à faire, c'est parler, c'est pas la première fois que je parle de bagay ça. Ça fait plusieurs fois que je parle sous lui. Je dis qu'il faut que nous mettions accent, il faut que comme si nous mettions, il faut que nous baillons justement en importance, il y a une nécessité pour ça, soit pour renforcer la capacité ça, ou bien mettre de l'autre structure, ou bien mettre en poste de contrôle justement. La mairie qui n'a pas dit bon, Amaga qui gagne là dans un conseil qui gagne deux liens avec toute mairie. Si on pense ça, il faut que nous pensions, il faut que nous montions deux projets parce que autorité, rétro-autorité. Et si demain matin nous tendons des grandes dans une zone de non-droit, comme si on paquet de bonnes zones ou gendarmes département, so c'est nous-mêmes, c'est vous nous la plus mal. Si vous partagez ça ensemble avec nous, Kadi Chitia. Pense à elle, nous-mêmes qui avons mis autorité,
parler avec yo ça nous fasse quelque soit façon nous ca mobiliser so mobiliser pour nous avant longtemps si gain de si gain de décision qui capable prendre pour au moins mettre de balise l'argent machine l'argent mon a rentrer sorti en dans département ça so merci un peu tout le monde so bon très bientôt on va parler sur ça dans l'autre vidéo ok guys.